17h27, c'est l'heure de notre joute. Des analystes vraiment ravis de vous retrouver, chers collègues. Emmanuel, bon retour, mario bon, bon retour. Merci. Bonne année, Sophie. Bonne année à vous <laughs> aussi. Vous allez bien. En tout cas, Mario a vraiment un tout nouveau look. Hein? On oui, le voit oui, beaucoup oui. mieux. Oui. On l apprécie l encore mieux sa beauté naturelle. <laughs> Ça commence fort, Arrêtez. 2024. Il va rougir. Là. <laughs> Alors, beaucoup, beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts politiques depuis notre dernière joute ensemble. Les, les caucus sont faits. La rentrée se fait aujourd'hui à Ottawa. Demain, euh, à Québec. Alors, nos collègues ont plein, plein, plein de choses à nous dire là-dessus. D'abord, l'envie nous prend de vous demander quel devrait être le dossier prioritaire à votre avis à Québec. Emmanuel, d'abord, tu as ton, ton idée là-dessus? Oui, mais ça va tellement mal dans plein de dossiers que c'est difficile de choisir, mais moi, si j'en choisis un, je dirais le logement. Le logement? Parce que c'est le talon d'Achille du gouvernement. Mmh. Pourquoi? Parce que M. Legault a passé quatre ans à dire qu'il n'y en avait pas de crise du logement. Puis que c'est une affaire de gauchiste Alors, c'est sûr que ça le rattrape, son inaction là-dessus. Et le problème qu'il a, c'est que sa ministre, France Hélène Duranceau, jusqu'ici, s'est davantage illustrée pour ses erreurs que pour ses succès. Je vous en donne un, par exemple. Elle a mis de côté le programme que tout le monde connaissait pour le logement abordable, Accès-Logis. Le programme par lequel elle l'a remplacé jusqu'ici. Zéro logement de construit. Puis a, mmh. il y a, semble-t-il, selon QS46, mises en chantier, je vous le mmh. donne en mille, à Fermont, Sophie. À Fermont. Tant mieux pour eux. Quand même. <rire> <rire> Paul. Euh, à, à court terme, pendant un petit moment, je pense qu'il faut surveiller. Mario en parlait à son émission, le dossier de la construction, la réforme euh, que va amorcer le ministre Jean Boulay. Mais je vous dirais plus fondamentalement, à mon avis, c'est la santé. Je pense qu'on peut euh, se dire que euh, la réélection du gouvernement Legault va beaucoup dépendre du succès, de la réussite ou de la non-réussite ou de l'échec, donc, de la réforme de, de, de Christian Dubé. Euh, c'est quelque chose qui touche directement les gens. Les Québécois en ont assez de payer sans avoir les services qui viennent avec. Euh, ça passe ou ça casse à mon avis dans le dossier de la santé. C'est une transformation majeure là, qui est à nos portes. Et pour toi, Mario? Bien, pour moi, c'est l'économie. Euh, si mmh. François Legault nous parle de revenir à son jeu de base, moi, je continue de penser que la vraie raison pourquoi ce gouvernement de la CAC a été élu, euh, c'est un gouvernement économique, c'est un gouvernement où il y avait beaucoup de gens d'affaires. Et là, l'économie, on dira ce qu'on voudra, stagne. On n'a pas évidemment le taux de chômage qu'on a déjà eu, mais les gens se sentent moins riches, les gens sentent leur pouvoir d'achat leur glisser entre les mains. Le budget du ministre des Finances, on sait déjà qu'il va être plus difficile. Ouais. Alors, des projets, des réussites économiques, d'attirer des entreprises, créer des emplois payés. C'était le discours de François Legault. Bien, à mon avis, ça demeure là, tout à fait d'actualité mm -hmm. à ce moment-ci. Bon, alors, M. Legault et sa suite, là, les oppositions fourbissent leurs armes là, pour cette nouvelle session là, qui s'ouvre demain. Ils auront l'œil sur ce nouveau sondage hein, euh, qui a été relayé par l'actualité qui donne au PQ Ouch. 11 points d'avance mm. sur la CA qui connaît son, son pire score depuis de 2016. Là, la la cote CACIF s'améliore pas, puis le PQ poursuit sur sa, sa lancée. Là. Ton analyse là-dessus, Emmanuel? Ben, quand le gouvernement Legault est moins populaire que le gouvernement Trudeau en termes d'attention de, mmh. de vote, c'est sûr que ça frappe l'imaginaire. Le problème auquel le gouvernement est confronté, c'est ce qu'on appelle semble-t-il chez les sondeurs, le concept de la pyramide. Tu sais, le bas de la pyramide, c'est l'humeur de l'électorat, le sommet, c'est les intentions de vote. Tant que les Québécois vont avoir l'impression que tout va mal, la santé mmh. va mal, l'éducation mmh. va mal, la construction va mal, mais c'est impossible que le gouvernement remonte. Donc, il faut qu'il soit un bon gouvernement, qu'il ait des petits succès, mais ça va prendre du temps à remonter. Je pense que c'est mmh. ça que ça illustre, ce résultat-là. Mario? Moi, je suis celui qui a dit depuis des mois euh, la montée du PQ, c'est pas fini, la baisse de la CAQ, c'est pas fini. Mm -hmm. Là, je vais dire un peu l'inverse aujourd'hui. C'est pas dire que c'est fini. Mais ça va ralentir. À mon avis, là, la CAQ arrive plus proche du fond. Je dis pas qu'ils ne perdront pas encore une coupe de poids, mais on rapproche du fond. Et la même chose pour le PQ. La souveraineté se tient dans les 33, 34, 35. Euh, déjà, le PQ. Donc, il y a comme une stabilisation. Mmh. Puis on va voir. C'est mmh. sûr que si la CAQ qui multiplie les gaffes comme ils ont fait en deuxième moitié de l'année passée, ouais. bon, euh, ils vont perdre d'autres plumes. Mais déjà, on est moins en atmosphère de crise présentement là, que les grèves d'enseignants tout ce qu'on a connu avant mmh. les fêtes. Alors, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir une période de stabilisation. Moi, ce que je vais mmh. surveiller, c'est le Parti libéral, là, qui grappille peut-être ouais. un point dans ce sondage-là ou ouais. à peine. Est-ce qu'il y aura un effet codère On ne parlait plus du Parti libéral depuis des mois. Tout à coup, on en parle. Est-ce qu'il y aura un effet codaire? Moi, je vais surveiller ouais. ça. Là. On ne mmh. peut pas, on peut pas euh, mésestimer sa, sa capacité de ramener mmh. de l'énergie, en tout cas, à, à, à tout le moins. Mais le problème de la CAC, c'est que euh, le, le vote d'insatisfaction, il est allé. Parti Québécois. Il, il s'est mm -hmm. pas réparti. Euh, euh, on voit Québec solidaire qui fait du surplace. Mm -hmm. euh, le problème des libéraux, que voulez-vous, c'est que le, leur, plaf leur plafond et leur plancher, puis ils ne bougent pas de ça. Est-ce qu'un ouais. nouveau chef éventuel, mais encore un an, encore un an. Donc, ouais. c'est là où les libéraux vont, vont payer le prix d'avoir <laughs> ouais. choisi scénario-là ouais. pour remplacer. Mais, et on, on voit, Paul, hein, que le, le, le PQ, il en être quatre. Il trouve toujours une façon voilà. de rester bien vivant dans, dans l'actualité. Comment vous trouvez ce, ce nouveau cheval de bataille là, sur les jeunes et, et les écrans, euh... Manuel Ben moi, je pense que c'est un cheval de bataille qui mérite d'être mené. Je suis pas sûre qu'on peut miser sur le gouvernement pour offrir toutes les solutions là, En tant que parent qui mène ce combat des écrans, des médias sociaux et qui me frappe la tête <laughs> sur le les mur là-dessus là. <laughs> ouais. c'est ouais. c'est un dossier là. Ça revient aux parents. Il faut que les, mmh. que les écrans arrêtent d'être nos gardiennes 24/7. Moi, ouais. il y a une chose que je trouve remarquable dans la sortie de Paul Saint-Pierre-Plamondon, par exemple. Je veux dire, c'est qu'il s'inspire de Pierre Poilière, vous avez vu. On n'est mmh. plus dans des lettres ouvertes dans sur la forme. Facebook. Là. La vidéo, ouais. on parle à l'écran, on interpelle et le monde. C'est hein? ouais. mmh. très efficace. On donne des données, etc. Donc, euh, nouvelle stratégie à surveiller. Oui, en effet. Mais quel vaste problème. Euh, et à la Chambre des communes, Pierre Poilievre, Justin Trudeau n'ont pas perdu du temps à, à reprendre et très solidement les hostilités. On va poursuivre la discussion après la pause. Restez avec nous.